La photo a été prise le long d'une route où on s'était arrêté. Puis il y avait ce mur avec ces plantes, on avait l'impression qu'elles avaient toutes poussé d'elles-mêmes. J'ai vu la jupe, j'ai fait la photo et ça a fait une jupe. Alors on l'a faite en miroir, comme on dit, pour que le devant et le dos soient symétriques puisqu'on met une couture aux côtés. Du coup, la photo est dans un sens devant et dans l'autre sens derrière. Monsieur Kanda dit que j'ai été la première d'ailleurs à faire du numérique prévu comme ça sur des vêtements. Donc l'impression est finie, on prend le rouleau et on le passe sur le textile. C'est une technologie de chauffage, c'est-à-dire que les encres passent par une phase gazeuse pour entrer dans le textile. Ce qui m'intéresse, c'est de mettre une photo dans un vêtement, quoi. Et pas n'importe quelle photo qui va sur n'importe quel vêtement. Alors donc la jupe qui va être montée chez Madame Bézet, avec qui on a travaillé dès le début. Suite à la lecture du patronage, ils sauront exactement où couper, entre quelles fleurs séparer le panneau. Donc la coupe automatique va couper donc sur les tracés et faire aussi tous les crans et les pointages nécessaires. Sur un vêtement comme ça, chacun fait une petite partie du produit. We'll be right back.